Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous t'écoutons. Soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Hey, et pourquoi grand neuf? Moi, je suis pas content. Je suis pas content. Du tout. Mais bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, qui connecte. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Jésus! Mec de! Donc, Vincent Aboubakar, Choupo-Moti, Toko Ekambi, ils n'ont pas place? Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Et pourquoi grand neuf? Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Ouais, ça c'est très bien. Grand neuf, et si ça ne marche pas qu'on vous demande? Je jouerai avec des enfants. Ya, 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 ya. Les lions sont foutus, Maza. Merde. C'est quoi? Même Capitaine Courage comprend que sa théorie qu'il disait est une réalité. Car il sait que s'il parle en se croyant qu'il n'est pas en danger, c'est qu'il est en danger. Mais papa Samuel Eto'o, est-ce que ton équipe peut quand même compter sur toi? Je vais tout vous donner, même ma vie. Pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Ouais, ça c'est très bien. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Eh oui, papa Samuel Eto'o a raison. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Voilà la parole d'un homme qui aime sa femme. Comme notre grand neuf, il aime son pays. D'ailleurs, Kevin, tu notes? J'ai noté. Continue. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Et ah bon? Il pense quoi? Vous vous dites c'est un salaud. C'est pas vrai. Hey, le père, la partie là, je n'ai pas bien compris. Vous vous dites c'est un salaud. Continue. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Applaudissons pour papa Samuel Eto'o et que son rêve se réalise. Continue. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables, mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Bon, ça va. On a compris. Ok, ok, papa Samuel et tous les lions et notables savent déjà quoi faire. C'était le message de Dieu. Mais avant, nous allons faire une séance de prière. Ok. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions tous pour qu'en fait tu puisses réaliser les rêves de papa Samuel et tout. Au nom de Jésus. Amen.